Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons rejoindre sur Chanel Panou en temps de causer jeudi à jeudi 20 janvier 2022. Nous comptons là pour nous capoter pour nous bon genre information. Moun ki yo pa arrivé identifié touye yon avocat nan barreau Croix des Bouquets qui c'est Maître Fritz Altenor. Monsieur sa ki perdit la ville avenue Christophe. Rete là nous pa jwenn toute information sous dossier ça. La police mené yon opération Croix des Bouquets, plus précisément dans la cité Doudoun. Résultat, plusieurs bandits tombés et 4 autres d'une arrestation. Bon côté PNH, un commissaire mourit ensemble avec toute madame. Maintenant, nous allons porter tout détail pour nous dans un petit moment. Bandit Azam attaqué APN qui est dans la zone La Saline, plusieurs personnes prennent balle. Parmi eux, un policier ak yon employé APN si la. Tout détail, c'est dans un petit moment. La police rive arrêté 4 présumés kidnappés pour salut dans le département sud pays d'Haïti. Maintenant, nous prenons toute information sous dossier ça, talè kon sa. Barbecue, leader Genève la, sorti dans le silence. Il parlait des situations pas d'Elma. Et li tout profiter parler de ça qui a passé. Belle, nous parlons tant de causer, mes amis. Mais avant, comme d'habitude, nous toujours prenons un petit temps pour nous remercier nous toutes qui toujours like vidéo nous, qui toujours garder vidéo nous. Merci pour ça. Si c'est la première fois ou tomber sur Chanel ça, pas négliger abonner. Et puis aidez-nous partager vidéo ça dans tout groupe Facebook. Comme ça, nous capables continuer grandir Chanel ça. Mes amis, on nous commence avec information yo. Cause insécurité a continué à tailler bandal dans le pays d'Haïti. Jeudi 20 janvier 2020, bandi Azam rive touye yon avocat nan barreau Croix des Bouquets qui se met Fritz Altenor. Monsieur rive perdi la ville nan avenue Christophe devant faculté Inageya côté deux jeunes garçons te sou moto rive mette bal soumise pendant que li te nan machine. Mes amis, an nous suiv comment ça te ye, parce que te gen reporter nous qui te sou place qui t'a suiv actualité yo. An nous suiv. Altenor qui atteint de plusieurs projectiles. Il paraît que Haïti vraiment insécurité en lui-même a pas le terrain. Voilà. La même projectile. Là, on t'aime bien. Oh, très bien. Ma pense. On t'aime bien. Et qui va vous affecter? Va vous la Croix des Bouquets. Et ensuite nous avons carte d'identification nationale et autres cartes. Selon vous même sont attaques civiles ou en exécution? Bon, on ne pas dire parce que on ne peut pas dire si sont attaques ciblées ou du moins si ça a entré dans le grand banditisme. D'accord? Et autre indice que nous avons tout à dit son attaque ciblée, c'est parce qu'il n'y a pas pris rien dans la machine. Nous avons téléphoné, deux téléphones. Nous avons une machine en marche. Et ensuite, nous avons dans la poussée tout l'argent de terre. Tout l'argent était gagné dans le bousse. Dans le bousse, nous avons 14 000 euros en billets de 2 000 euros et 2 billets de 20 dollars américains. Rappelez-nous, mon maître. Moi-même, moi, c'est juge Edouard-Douarin. Edouard-Douarin. Dans quelle section? Dans quelle zone victime de l'attentat de projectile ça? Non, au niveau de tête. Do et H.
La police prend un gros coup ailleurs dans quatre opérations qui ont mené dans quoi des bouquets dans une zone surtout qui relait cité Doudoun. Une zone côté bandit a fait la pluie et le beau temps. Selon information qui vient de nous, la police rivait mettre à terre plusieurs bandits et elle rivait arrêter quatre monde. Trois garçons et une fille. Fille arrêtée à qui soit disant dit c'est une sœur. L'église relait Rosely. Rosely c'est à madame Dominique, une chef gang cité Doudoun. Pas oublier zone ça, cité Doudoun, li sous contrôle base 400 Maozo. Après dame ça, yo te fin arrêté, yo arrêté trois autres moun encore. Mais nous yo, c'est Robertson, Emmanuel ensemble avec Denis. Donc c'est moun sa ou la police grivé met men sou yo nan kat opération que yo tap mené nan cité Doudoun que l'amor sans jour chef base 400 Marozoa qui responsable base ça. Malheureusement des policiers qui victime en nan kat opération ça. Selon information qui vient de nous, des pou piti 5 policiers qui ta mouri. Gen yon commissaire qui rele Jean Ismaël Auguste qui tombe en bas balle nèg 400 Marozoyo ensemble avec toute madame ni qui relé Clotilde Vilus. Donc c'est non madame ni et gen yon petite fille commissaire ça qui blessé pendant attaque. Cependant commissaire ça tape sorti chercher petite fille là l'école et bien bandi azam mette cartouche sou yo nan sant kwa de boukea. Nèg la mort sans jou yo té allé à cadavre. En tout cas, c'est comme ça mes amis, tant de causé yo, commissaire ensemble avec toute madame li rivé mouri dans cadre yon attaque que nèg Ramon Sanjo ta fait sous commissaire. Mes amis, c'est gros causé, c'est vraiment vraiment triste. Bandi Azam attaqué APN qui nan la Saline hier mercredi 19 janvier 2022 ya. Selon information qui vient de nous, pour Pipiti, il y a 4 personnes qui sont blessées pendant l'attaque. Parmi les personnes qui sont blessées, il y a un employé à PNN ensemble avec un policier qui a pris une balle dans le visage. Les personnes a pris soin de l'hôpital. Bandi la Saline a attaqué à PNN en raison de que pour nouveau directeur à PNN négocier. C'est peut-être ça, yo te vin tiré dans APN. Mes amis, l'autre information que nous avons pour nous, la police qui veut mettre la patte sur 4 présumés kidnappés dans le sud pays d'Haïti, dans la commune Port-Salut. Yo accusé yo comme quoi, yo ta kidnappé yon timoun 5 ans. Timoun sa yo kidnappé ya rele Berlins. La visayon yo te mandé $100,000 américains pour yo lagé timoun sa mais avec négociation yo d'accord pour yo bayou $10,000 américains pour yo lagé timoun nan pou kounye ya monsieur sa yo ki yo arrêté nan sud pays d'Haïti en bas la police et la police a fait tout ça ou konnen pour rive lagé timoun sa ki rele pèlin ça que nous capable remarquer mes amis question kidnapping ça longtemps il était un phénomène était capable de seulement n'importe où mais qu'on y a nous capable voir l'autre région qui loin Port-au-Prince commencer à prendre donc son bagage qui devient national question kidnapping ça mes amis c'est gros problème mes amis tendez pour vous.
L'autre point encore, c'est concernant barbecue. Chef Genève là fait gros déclaration aujourd'hui. Il parlait sur ça qui a passé Badelma côté la vie reprend. Mais il y a un groupe Delma 4 qui continue à tirer. Ça c'est déclaration Jimmy Cherizier, chef Genève là. Mes amis, on nous écoute barbecue qui t'a parlé. Dis un gros bonjour, un gros bonsoir avec chaque grand monde qui va regarder vidéo ça. Je dis assez 20 janvier 2022 et matin là me lever me faire une vidéo ça pour me expliquer peuple haïtien, pour me expliquer l'état pays, pour me expliquer le monde entier ça qui a passé en bas d'Elma. Parce que bon groupe monsieur politicien en Haïti te fait yo croire que barricade c'est avenir. Nous même nous te toujours dit que barricade pas avenir aucun monde. Avenir on jeune femme, on jeune garçon, c'est à l'école, apprendre métier, aller à l'université, c'est ça qui est avenir. Nous pas croire que barricade te jamais avenir moun. Ces bagages sont des qu'on a boumé contre lui qui fait que et politiciens de grain gauche utiliser propre moun qui dans quartier populaire même j'ai avec nous propre moun qui semble nous utiliser moun ça au contre nous pour faire mentir sur nous. Me faire vidéo ça pour m'attirer attention nous sur comportement monsieur Riel Maya, sur comportement moun Ritimas, sur comportement monsieur Soubelay. Qui ça passé? Nous même nos forces révolutionnaires Genève famille et alliés, main tout n'a goumé pour l'école relouvrir parce que nous dit ça nous même nous quoi c'est dans éducation et que pour jeunesse ça je on la vie mieux nous quoi c'est dans former tête li et que jeunesse ça li capable jeune on la vie mieux pour famille pour tête li et pour société a nous pas quoi dans aucune barricade qui s'est avenir aucun monde gon groupe monsieur qui dans Riel Maya qui dans Ritimas qui sous Belay lycée Daniel Fiolet a réouvri comme lycée a réouvri et que l'école n'a fonctionné et que tout moun wè si moun yo commencé en confiance yo reprend l'école yo mais qui ça nèg ça fait la journée yo pas tiré sous Delma 2 yo pas tiré sous Delma 4 yo pas tiré sous Delma 6 depoutan del fait 8h 9h 10h du soir mais c'est ça ou tombé tiré ni sous Delma 2 ni sous Delma 4 ni sous Delma 6 son façon pour zone nan pa jam reprendre vie gon équipe malheureuse qui nan Riel Maya gon équipe malheureuse qui nan Ritimas go équipe malheureuse qui Delma 2 Delma 4 Delma 6 moun yo besoin vivre en paix comme nèg k'ap fè politique en Haïti c'est sous dos nous yo toujours ap mete charge jodi a nou fè vidéo ça pour le monde entier ka konnen ki sa k'ap passé a nous même nan force révolutionnaire Genève famille et alliés main tout nan moment là objectif nous c'est wè nan zone côté que n'ap viv yo toute l'école nationale qui gagne toute l'école l'état l'école privée qui gagne et que pour gon climat de paix et que pour l'école ça yo capable reprendre pour ti moun yo capable venir prendre mot son pain instruction. Jodi a, m'pense que et monsieur qui nan Riel Maya, monsieur qui nan Ritimas, monsieur qui sou Belay, monsieur fait respect nous, suspend si fait menti, a fait moun croire que n'a goumé nous besoin territoire, nous besoin territoire pour faire qui ça. Moi même m'a prend exemple Riel Maya son plan amélié. Bon, si moun Riel Maya intelligent, faut que tu as quitté lycée Daniel Fiolet fonctionner parce que après lycée Daniel Fiolet Riel Maya est possédé, Riel Maya pas gagné encore. N'a pas menti a dit on besoin prendre Riel Maya et contrôle Riel Maya et contrôle et territoire besoin. L'aime prendre Riel Maya, ça me va faire dans Riel Maya. Canal on fait les sentiers a besoin. Descend en bas d'Elma pour nous garder pour nous. Descend en bas d'Elma n'a pas quantité business qui gagne. Descend en bas d'Elma n'a pas si tout business monde ça va pas fonctionner. Descend en bas d'Elma pour nous est-ce que gain business monde là qui a prend sonner monde là dedans. Ça veut dire que ça n'a pas menti et puis comme nous jeune politicien de grain gauche qui a supporté nous parce que eux même c'est dans vagabondage là et dans désordre là et dans fait si moun malheureux malheureuse moun qui dans même couche sociale avec nous et dans fait moun ça yo pas capable joindre mot son pain instruction là yo besoin utiliser yo pour ka dire barricade c'est avenir yo monsieur nous même encore une fois me fait cette vidéo ça me pas prêter m'blé le monde entier connaît m'blé peuple haïtien connaît m'blé l'état haïtien prend responsabilité pour nous sécuriser moun qui dans ghetto yo parce que moi même pas jamais faire mentir pour m'a dit comme ça et wash abouté moi gain moi nous prenons comment ti vagabond sous Belay arrive ça gè boule fol là ti vagabond crée les totoa moi nous prenons ti vagabond sous Belay vient retourner vient appeler des vienne faire mentir vient abradoter vient dire goumer pour territoire nous besoin réellement pour faire qui ça retenant rôle nous pas tirer sous Delma 2 retenant rôle nous pas tirer sous Delma 4 retenant rôle nous pas tirer sous Delma 6 n'a pas si moi même m'a jambe et défendre tête moi ouais qui moment utiliser défendre tête moi parce que toute action mérite une réaction m'gè capacité pour me défendre tête moi Mboko je m'attaque nous. Je toujours là pour me défendre tête moi. Quand il la journée, ou tant que matin côté m'a fait vidéo là, le fait que l'école là ouvri là, yo pas tiré.
à soir là depuis fait 8h 9h 10h du soir yo tombé tiré ni sous Delma 2 ni sous Delma 4 ni sous Delma 6. Faut que l'état prenne responsabilité dans ça qui a passé en bas Delma là. Encore une fois moi tout le monde connaît me défendre tête moi et moi gain capacité pour me défendre tête moi. Moi juste dis ça pour petite malheureux malheureuse monde qui sorti dans même couche sociale avec nous pour ka joindre mon son paye instruction. Qui ti moun ki l'école dans lycée Daniel Fiolé et ti moun Delma 2 Delma 4 Delma 6 et ti moun réellement et ti moun Ritimas et ti moun ki pi mal yo ki l'école dans lycée moi même de l'école lycée Pétion lycée Firmin et petit moun ki pi mal yo kal dans lycée jodi a kite l'école la fonctionne n besoin l'école fonctionne la mande ministre éducation nationale la m pa jam pa la avon mais à travers vidéo ça prend responsabilité comme homme d'état prend responsabilité pour faire l'école la fonctionner. Prend responsabilité pour ti moun moun ki pi mal yo ka gen ti moun sur éducation. Encore une fois monsieur kap tire yo. Moi même moi passé tout moun la kay mwen lòd. Moi passé tout moun la kay mwen lòd. Pa tire un coup de balle avec monsieur. Moi même les soir là nous être la kay nous n'ap tire, m'passé nèg mwen lòd parti un coup de balle. Parti un coup de balle parce que nous être la kay nous n'ap plaider tire et que pour nous terroriser moun nan zone nan fè moun nan zone nan paix. Après nous gen et moun ki nan politique nous pral rele pour nous dire que ça c'est barbecue qui vient attaquer nous. Nous gen moun nan politique nous pral rele pour nous faire comprendre que c'est moi même qui pa vle zone nan fonctionner. On fait vidéo ça pour l'histoire et pour la vérité. Depuis nous attaquer m'ap défendre tête moi. Toute action nous fait sous même m'ap font réaction. Pas parce que nous font action là, moi même pral camper garder nous. Nous font action là 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après m'ap réagir. Avec des pour attaquer moi même m'ap contre-attaquer. Encore une fois m'pa nan gouma avec aucun moun. Nous faisons vidéo ça, nous demandons au ministre de l'Éducation nationale, on l'autre fois encore, pour prendre responsabilité pour l'école qui est dans le quartier populaire. L'école qui est dans le monde qui est plus mal, pour l'école ça est capable de fonctionner. Nous avons parlé avec Jimmy Cherizier, dans nos forces révolutionnaires, Genève, famille et alliés, nous avons tout.